Bonjour mes poupettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, je suis accompagnée par mon petit chien César. En fait, aujourd'hui, j'ai un grand dilemme parce que je dois choisir ma robe de mariée et je n'arrive pas à me décider. Donc, je compte vraiment sur vous pour m'aider pour choisir ma robe de mariée. Je vous fais vraiment confiance. Donc, je vous présente le modèle de droite, un joli petit modèle de princesse. Avec les manches bouffantes, le corsage travaillé, donc des paillettes tout le long de la robe. Voilà, ça fait vraiment la robe de princesse, qui est vraiment très jolie. Donc voilà, j'hésite entre celle-ci et l'autre modèle, qui est un modèle plutôt simple, épuré, très très élégant. Malgré toute sa simplicité, c'est vraiment un modèle très élégant. Ça fait haute couture, je trouve, avec ce petit nœud qui est vraiment ravissant. En fait, je compte sur vous parce que je vais vous montrer la vendeuse. Je crois qu'elle a eu un petit coup de mou. Elle s'est vraiment, je crois qu'elle a eu un petit malaise parce que en fait, je suis ici depuis 9h du matin, donc il est 18h. Voilà, il faut dire aussi que ça fait la 20e fois que je reviens et j'arrive toujours pas à me décider. Donc je crois que la vendeuse a eu vraiment un petit coup de mou. Bon, ben voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous demander votre avis. Donc je vais essayer le premier modèle de suite. Voilà, donc j'ai essayé le premier modèle, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je trouve qu'elle me va super, super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'adore. Mais vraiment, j'adore ce modèle. Voilà, il me va bien. Je trouve que je suis super belle dedans. C'est pas pour me complimenter, mais voilà. Vous avez fait votre opinion, donc maintenant j'essaie le deuxième modèle. Voilà, donc le deuxième petit modèle, comme je vous disais, un petit modèle épuré qui est très joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai rajouté le petit collier parce que bon, comme elle est simple, je trouve qu'un petit collier, ça convient. Donc je fais un gros plan pour vous montrer toute la robe, qui est vraiment très élégante, très jolie. Encore une fois, j'hésite vraiment. En tout cas, dans cette boutique, il y a vraiment de très belles robes. C'est malheureux que... Et en plus, on peut faire ce qu'on veut, parce que la vendeuse, elle est toujours KO. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, elle a de jolis petits sacs. Si on... Je vais faire un petit gros plan sur, sur le petit sac. Voilà, y a tout ce qu'il faut. Et en plus, bon, et en plus, à la limite, ben, on peut faire comme, comme chez soi, quoi. Donc, c'est l'idéal. Voilà, bon, ben, ouais, toujours dans la méta, vous voyez. Elle réagit toujours pas, ben, voilà. Donc, moi, je vais partir. Je vais essayer de la réveiller. Si elle se réveille, autrement, ben, tant pis, quoi. Voilà. Alors, je vous dis au revoir mes poupettes et choisissez pour moi la robe qui me convient. Ah oui, alors à chaque fois je vais faire un petit dicton pour les filles. Donc mon dicton d'aujourd'hui sera « S'il pleut, fais gaffe à tes cheveux ». Au revoir et à la prochaine !